Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouveau format programme. Je me suis reposé pendant 3 jours parce que j'ai fait une vidéo par jour pendant 2 mois et il était temps que je me repose un peu. Là, on va repartir fort sur un programme au DPEC. Alors, pour ça, il faut un banc incliné, d'accord? Aujourd'hui, je vais le faire à la barre, mais tu peux le faire aux haltères. Et si tu n'as pas de banc incliné, tu peux le faire sous banc droit si tu veux faire le programme avec moi. Tu fais ça sur le banc droit, mais on va pas travailler la même partie des pecs, ok? Mais très important, incliné au pecs toujours, ok? Premier exercice, on va sortir du développé incliné en prise large, très important. Et on va faire une descente de 3 secondes. On va se faire mal, clairement. 4 fois 10 reps, c'est parti. Hop. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, ok. Hop, je mets le temps de repos tranquillement et je vais mettre mon petit trait, le trait de la validation, clairement. Hop, voilà. Alors, niveau repos, hein, entre 1 minute et 1 minute 30, très important. Mais là, ça va te faire mal. Clairement, là, on est dans le travail, clairement. Moi, j'ai pas mis lourd. Si tu te demandes combien j'ai mis, ma barre, c'est pas une barre olympique. Tu vois, fait pas 20 kilos. Elle doit peut-être faire 10, 12 kilos à peu près. Et j'ai 40 kilos en poids. Donc, je vais être à 50, 55 ou 52 kilos. C'est largement suffisant. Et pour ce que je fais, ça me fait mal. Clairement mal. Là, on est à 52 secondes. On va repartir à 1 minute. On va faire les choses bien par rapport à ça. 59, ok, c'est parti. Allez, deuxième série. Hop, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10. Ok, temps de repos, bam, c'est parti, mon petit trait, incroyable. J'ai fait 3 jours sans vidéo, mais je me suis pas totalement reposé. J'avais des tournages de fou. Si tu me suis sur Instagram, d'ailleurs, suis-moi sur Instagram, c'est important. Dame Jordan. Si tu me suis pas sur Instagram, enfin, si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'ai beaucoup de tournages, j'ai beaucoup de clients. Et là, j'ai eu un objectif. Je me suis fait Dams, je fais des vidéos, c'est bien. Maintenant, faut passer au niveau au-dessus. Faut passer au niveau professionnel, clairement. Tu vois? Donc, je vais m'acheter une caméra professionnelle. Si tout va bien. D'accord? Parce qu'avec. Avec ce que je fais, on va dire que je peux me procurer... Normalement, je pourrais me procurer une caméra professionnelle. Bon, ça coûte super cher, on va pas se le mentir. Mais moi, je suis un fou. Et j'ai envie de le faire. Ce qui fait que je pourrais faire des trucs de fou. En vacances, par exemple. Si, par exemple, je t'emmène avec moi en vacances ou peu importe. Je pourrais te montrer des images de fou. Avec ça, déjà, je peux le faire, tu vois. Mais avec une caméra pro, je pourrais le faire en mieux. Clairement, parce que moi, je veux que mon contenu, il soit différent de tout le monde. 1 minute 12. Bon, j'ai jusqu'à 30, mais c'est bon. Ah, je vais faire des trucs de fou. On va partir à 20, tranquillement. Allez. Hop. Je répète, si tu veux partir à 30, tu peux partir à 30. C'est 30 maximum. C'est un exercice qui fait mal, donc prends du repos, c'est important. Mais moi, comme je suis un fou, je pars un peu avant. Allez, 1, 2, 3... 1, 1, 2, 3, 2,
Une, deux, trois, trois. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, cinq. Une, deux, trois, six. Une, deux, trois, sept. Une, deux, trois, huit. Une, deux, trois, neuf. Une, deux, trois, dix. Jusqu'à ça, toucher le micro, incroyable. Hop, je mets mon temps, mon petit trait, très important. Où est ma bouteille d'eau? Non, c'est pas celle qui est derrière. Oh non, ah je sais, elle est là. Je prends mon eau tranquillement, parce que sinon je vais mourir, c'est sûr. Alors. Oh, l'organisation, incroyable. Incroyable cette organisation. À la base, dans une vidéo, j'y prends ta bouteille d'eau, fais les choses bien. Ah là, c'est chaud. Une ou deux gorgées, pas plus. Sinon, tu vas être ballonné. Là, pour ce mois de mars, on va faire plein de programmes, comme je t'ai dit. Hein. Faire les choses bien, mettre du tempo. Les programmes simples, ce sera fini, hein, clairement. Il y aura de la difficulté, un peu, dans chaque exercice. Faire les choses bien et avoir mal. Hop, une minute. On va partir à 30 parce que je te cache pas, la troisième, elle m'a fait mal. Elle m'a vraiment fait mal, donc on va partir tranquillement à 1:30. Oh. Ouais, là, je suis bien. Je suis bien, je suis bien. En plus, ça, je fais une séance spec, donc là, faut pas que je force trop. Et tout à l'heure, je fais les jambes en salle. Et là, je serai off. Après, les jambes, c'est chaud. Hop, 30, c'est parti. On repart. Dernière. Fais les choses bien. Allez, hop. Une, deux, trois, une. Une, deux, trois, deux. Une, deux, trois, trois. Une, deux, trois, quatre. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 10. Oh. Oh. Tu vois que plus les séries passent et plus les secondes, bah c'est plus des secondes, tu vois, parce que ça fait mal. Mais le plus important, c'est de garder cette petite résistance. Très important. Et là, tes pecs, là, ils seront bien. Et aussi l'avant des épaules qui va congestionner si t'es comme moi. Bon, je mets mon petit trait. On balance aussi un petit temps de repos. Prends une, deux ou trois minutes de repos et on passe à l'exercice 2. Exercice numéro 2, nous allons faire des doubles contractions. Bon, je me suis permis d'enlever un disque, d'accord? Parce que je te cache pas, je commence à avoir mal. Comme je t'ai dit, hier, j'ai fait une séance pec, j'ai mal, il faut pas que je me blesse. Et mon but, c'est de te parler aussi. Parce que sinon, si je mets mes charges réelles, c'est sûr que là, je te parle pas. Là, je suis focus et il me faut de la musique. Mais là, ça va quand même me faire mal, mais on va faire les choses bien. Donc... double contraction, je t'explique. Tu prends la barre, d'accord? Toujours en prise large. Hop, on fait une demi-rep, on descend, une rep entière, ça fait 1, ok? Et on va faire ça 4 fois 10 reps. T'es prêt? Oh. Allez, on y va. Hop. 1, 2, 3. 4, 5, 6, allez, 7, hop, 8, 9 et 10. Ouh. Ben là, c'est sûr que si je gardais les poids de 10 en plus, là, c'est sûr que je n'allais pas parler. C'est sûr. C'est bien aussi les doubles contractions. C'est très très bien. Ça, si tu veux, ça va casser ta routine de séance. D'accord? T'auras des sensations nouvelles, ça va te faire mal. Mais c'est bien.
Si ça fait mal, c'est que ça bosse, d'accord? Parce que faire des séances mécaniques à chaque fois et tout, c'est bien, c'est très bien. Mais au bout d'un certain temps, bah ton corps va demander du changement. Tu n'auras plus trop de courbatures, tu n'auras plus trop mal, moins de sensations. Et tu vas oublier, si tu veux, l'effet de se faire mal en musculation. Et là, l'effet de se faire mal, tu l'as. C'est important. 45 secondes, ouais, ça va. On va se reposer jusqu'à 1 minute 10. Très important. Très important. Oh, comme je te disais tout à l'heure, hein, hey, j'ai hâte d'avoir ma caméra professionnelle. J'ai hâte de la voir. Mais, ah, faut que je te raconte. Faut que je te raconte des trucs, trop de choses. Parce que je vais pas l'acheter en France. Parce qu'en France, il y a des restrictions qui fait que je ne peux pas payer plus d'une certaine somme en liquide. Mais, j'ai trouvé un moyen de faire les choses bien. T'inquiète. Hop, on va repartir. Allez. Oh. Double contraction. C'est parti. Hop. Une. Hop. Deux. Allez. Hop. Trois. Quatre. Cinq. Six. On est là pour bosser. Sept. Allez. Huit. Neuf. Et 10. Hop, mon temps de repos, mon petit trait. Pour les doubles contractions, je te conseille vraiment d'aller à une allure normale. Parce que si tu le fais en lent, tu vas te cramer. Clairement, tu vas te cramer. Et c'est pas ce qu'on veut. Allure normale, un peu dynamique, c'est bien. Le muscle a besoin de ça. Le premier exercice, il était suffisamment lent, tu vois, il t'a déjà mis bien. Mais là, si tu fais encore un mouvement lent, ça sert à rien, d'accord, clairement. Donc, double contraction, hop, super, on est bien. Après, clairement, ça se fait partie des séances où l'exercice 1 est mis dans le bain et le reste, c'est difficile, d'accord? Par exemple, ça, tu as commencé avec ça, là, bah, tu seras en forme, tu aurais fait les choses bien. Mais non, faut se faire mal en muscu. C'est important. Tu veux progresser, tu veux évoluer, faut avoir mal. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est là pour progresser. L'été arrive. Là, on est en mars, là. L'été arrive. Enfin, l'heure où tu vois cette vidéo, si tu la regardes en avril, mai, juin, c'est chaud. Mais on est en mars. Faut faire les choses bien dès maintenant. D'ailleurs, bienvenue à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. J'ai fait quoi? 3 jours sans faire de vidéo. J'ai eu 30 abonnés en 3 jours. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que ce mois de mars va vous faire du bien avec cette première vidéo. Hop, on va partir. Il est 27. Là, tu vois, là, je prends mon temps de repos complet. Pareil. Hop. On lève bien haut. On descend. Hop. Une. Hop. Deux. Allez. Trois. Hop. Quatre. Hop. Cinq. Hop, 6, allez, hop, 7, hop, 8, hop, 9, hop, 10. Ok. C'était la troisième. C'était la troisième. On a fait les choses bien. Oh. Voilà, franchement. Je suis good, je suis good, je suis cassé. Mais on est là pour bosser. On est là pour bosser. C'est important. Et par contre, je suis dégoûté, les mecs. Je voulais trop vous montrer une séance jambes. Et je sais que je vous la montrer en salle de sport. Mais le problème, c'est que dans la salle où je vais, elle est blindée de fou. Mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais vraiment, elle est blindée de fou. Faut déjà attendre toutes les restrictions, que une salle à maison Alfort réouvre. Parce que je t'explique. Dans la zone où je suis actuellement, il y a une ville qui a fermé sa salle parce que les gens ne respectaient pas les règles. D'accord? Ce qui fait que les gens viennent tous dans la salle où je m'entraîne. Et là, c'est ingérable parce que la salle, elle est petite, c'est chaud, c'est compliqué. Donc, j'espère vraiment que chacun va retourner dans sa salle, histoire que je puisse vous filmer mes séances avec le frérot tranquillement. 1 minute 7, c'est génial. Il me reste encore du temps pour faire les choses bien. Oh. Faut que je me prépare aussi à faire le programme pompe freestyle, parce que ça, c'est un programme. Je sais pas s'il est demandé ou pas, mais c'est un truc que j'ai envie de faire. On m'avait demandé à l'époque d'en faire,
Il disait ouais et tout, je donne des conseils. Mais là, je viens de faire un programme avec toi pour qu'on puisse évoluer ensemble à faire des bombes freestyle. Bon, évoluer ensemble, je suis toujours plus fort que toi pour l'instant, mais t'inquiète. Ah bah, pour ceux qui font du street workout, vous, je vous écoute pas, je m'adresse pas à vous. Je m'adresse aux débutants, c'est tout. Allez, c'est parti pour la dernière. Hop. C'est bien la dernière? Ouais, c'est la dernière. Allez. Une. Hop. Hop. Deux. Hop. 3, allez, hop, 4, hop, 5, hop, 6, hop, 7, hop, 8, hop, 9, hop, 10, ok. Oh. Oh. Bon, je bois un peu d'eau, tranquillement, c'est important, d'accord? Tu prends. Une, deux ou trois minutes de repos et on se retrouve pour le dernier exercice. Dernier exercice, on va partir sur l'incliné, normal, standard, mais à la fin, on va rester 10 secondes bras tendus. Ouais, il faut se faire mal, c'est important, ok? Allez, c'est parti, on y va. Hop. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Oh, je vais essayer de tendre un peu plus les bras pour la deuxième, mais sans verrouiller, d'accord? C'est important, même quand tu fais des exercices de type développé, couché, quand tu lèves, comme dirait l'autre, garde un léger flex au niveau des coudes, tu vois. Mais si tu verrouilles, c'est pas bon, faut pas verrouiller, faut pas faire ça, c'est dangereux. Donc, si on peut garder hop, un léger flex, on est bien, d'accord, on est bien, et ça protège les articulations, c'est très important. Oh. Hey, j'avais des concepts là, sur la chaîne, faut trop que je te montre. Ouais, oh, faut trop que je te montre. Et j'ai envie de te montrer mes vidéos, où je filme mes frérots là. Tu vois mon frérot Jojo, j'ai fait une vidéo de lui, j'ai trop envie de te la montrer. J'attends qu'il la poste sur Instagram et peut-être que je ferai une petite vidéo où je te raconterai une connerie. Mais ça me permettra de te montrer la vidéo parce que j'ai envie, d'accord? Et sur cette chaîne, j'ai envie de te montrer du cinéma, clairement. J'ai envie de te montrer des films, de te montrer ce que je sais faire réellement. Bon, tu sais déjà ce que je sais faire, je t'ai déjà montré des extraits. Mais là... Franchement, je vais te montrer du sale. En plus, ce frérot, il va lancer sa chaîne YouTube, normalement, si tout va bien. Donc, si je te montre la vidéo, faut que tu lui donnes de la force pour qu'il se réveille, parce qu'il dort. Je lui ai dit qu'il dort. YouTube, c'est dur, mais il dort. On va faire les choses bien. 1 minute 20, on va repartir. C'est parti. Mais je te rappelle, tu peux prendre une 30. Hop, allez. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Oh. Hop. Mon deuxième trait, on est bon. Si tu l'as remarqué, je mets pas les accroches sur les extrémités de la barre. Parce que quand tu es tout seul en musculation, normalement, on ne met pas les accroches. Dans les exercices de type développé, couché, développé, incliné. Parce que, admettons, tu mets trop lourd et tu mets les accroches et t'es bloqué ici. Comment tu fais? Tu peux pas t'en sortir. Tu vas mourir avec la barre. Et c'est pas ce qu'on veut. En revanche, quand t'as pas les accroches et que la barre est trop lourde, tu peux basculer d'un côté pour faire tomber les poids d'un côté et après, hop, tu vas être basculé de l'autre côté avec le poids de la barre et les poids vont partir et tu seras libéré. Bon là, je vais pas te le faire parce que ça va faire un bruit insupportable et les voisins ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, clairement. Et moi, je veux pas que les voisins se suicident moi, clairement, mais ça sert à ça. Ça sert à te sauver la vie, c'est important. Et aussi,
tu pourras voir si tu es vraiment stable, d'accord? Parce que quand tu lèves la barre et que les poids ne bougent pas et que tu fais ton mouvement propre, ça veut dire que tu es droit. Bon, si tu es débutant, tu peux trembler un peu. Donc, je te conseille de mettre léger et les accroches. Mais tu verras, plus tu vas avoir du niveau et plus tu vas rester stable, d'accord? C'est important. Une 30, on va partir. Parfait, je m'arrête toujours au timing près. J'ai trop l'habitude. Hop, on y va. Une, deux, trois, quatre. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6. Ça fait mal? C'est que ça bosse. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Ouais, là, tu vois, on augmente la difficulté. C'est important. Si t'as pas mal, ça sert à rien. En plus, c'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière, donc faut souffrir. C'est très important. Ouh. Et ça fait du bien de faire des programmes au garage un peu, parce que le problème dans la chambre, là, oh, je commençais à en avoir marre. Si tu veux, j'ai dû faire plus de 20 programmes dans la chambre. Ouais, plus de 20. Ah, je sais pas. Je sais pas, mais je voulais changer d'air, changer d'espace. Sachant que là, il commence à faire chaud. Tu vois? Quand je faisais les vidéos dans la chambre, dehors, il faisait des moins 2, moins 4, il neigeait et tout. Ça veut dire que là, tu vois, les barres en fer, impossible. Me mettre en débardeur, impossible. Mettre en t-shirt, impossible. Du coup, j'ai pris la chambre. Mais là, je suis bien. Je suis dans un petit espace tranquille. Bon, toi, t'as pas cet espace-là, tu seras dans la chambre ou je sais pas où tu seras. Mais moi, je suis bien, c'est le plus important. Tant que le coach de la vidéo est bien, même si je suis pas coach, là, c'est bien. Donc, ok, ce sera à toi de suivre maintenant. 1 minute 5, on va partir à 30 tranquillement, on va se reposer. Ouais, parce que si je pars maintenant et je fais n'importe quoi, ça sert à rien. Oh. Oh. Si tu veux, à chaque vidéo, je pourrais te dire l'avancée de Roi de Tout, nouvelle caméra d'Ams. Ça sera bien, ça. 28, 29, 30. On repart. On fait les choses bien, prise large. On monte bien haut et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8. 7, 6, 5, on bloque. On bloque, on bloque, on bloque. Ok? C'est la dernière. Me dis pas, j'ai mal. C'est la dernière. Ok? Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Nice. Bon. Ta séance est validée. Félicitations. Là, tu prends une, 2 ou 3 minutes de repos et soit tu passes à un autre programme que j'ai fait sur ma chaîne ou bien sinon comme moi la séance est terminée et tu peux tracer et profiter de la vie tranquillement. Donc voilà pour cette séance, j'espère que tu as kiffé, j'espère que ça t'a fait mal. Moi comme je t'ai dit, hein, soit tu repasses à un autre programme ou soit tu te reposes tranquillement. Si tu as kiffé cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire, ça fait plaisir. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas fait, mais aussi à mon compte Instagram. Moi, je suis bien congestionné, je suis bien. Là, je me vois les épaules, c'est incroyable sur le retour caméra. En même temps, vu comment j'ai incliné le banc, c'est sûr que l'avant des épaules allait prendre aussi. Mais bon, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Peace!